Hey, salut les amis, ici Tintin du 24. Donc ce soir, nouvelle vidéo sur le format de Mysteria 24, c'est le numéro 4. Alors ce soir, nous allons parler de Gilles Doré. Alors Gilles Doré, ben, qui était-ce ou qui est-ce? Ben, c'était le. Comment dire? Le frère d'armes de Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, ben, c'est celle qu'on surnomme la pucelle d'Orléans parce qu'elle s'est fait brûler là-bas et selon les mœurs, elle était encore pucelle. Donc le personnage se situe sur la guerre de Cent Ans sous Charles VII de France. Donc je m'en vais vous conter l'histoire, la belle histoire du légendaire guerrier comment il s'appelle, Gilles Doré, qui a inspiré le personnage de Barbe Bleue à l'auteur. Ensuite, eh bien, je vais vous parler de l'autre face cachée de Gilles Doré qui est le meurtre et le viol d'enfants, oui, parce que il a pas, pas parce qu'il est célèbre qu'il a échappé forcément aux mœurs de l'époque. Alors c'est parti pour la lumière de Gilles, c'est comme ça que moi je définis entre les deux personnalités la bonne et la mauvaise, donc la lumière et l'ombre. Donc Gilles de Ré, c'est le baron de Retz. Il n'a que 20 ans quand il rencontre le prince Charles VII de France, qui lui confie un commandement dans l'armée, donc pour être commandant ou sergent je crois. Sa bravoure l'impressionne, il en parle même à sa cour qui... C'est ses véritables mots. C'est un vrai chef de guerre, mais il est brutal et sans pitié. Il est le compagnon de Jeanne d'Arc, comme je vous ai dit un peu plus haut. En 1460, oh non, 1469, n'importe quoi. 1429, il reçoit les honneurs de Charles VII à Reims, qui le charge de porter la Sainte Ampoule de Sacre jusqu'à là-bas, d'ailleurs. Ensuite, il l'intronise comme maréchal de France, donc une haute distinction militaire. Quant à Jeanne, non. Quand Jeanne est brûlée vive en 1431, Gilles a 27 ans, il avait tout tenté soi-disant pour la sauver. Tant pis, peine perdue. Peine perdue, il se retire de l'armée, il se retire dans ses terres à Tiffauges, Machecoul, ou Machecou, Princey ou Pornic. Il dilapide son immense fortune, donc il dépense sans besogne entre les banquets, les fêtes, les châteaux. Les terres, il fait même une braderie de ses domaines, grande braderie de Monsieur Gilderay, enfin Gilles Doré, pardon, moins 50% sur, par exemple, sur Princey ou Pornic, moins 70, etc. Vous avez compris le principe. Le héros de la guerre de Cent Ans avait passionnément servi l'ange, maintenant c'est devenu un démon. Donc voilà, je vais maintenant vous conter la face noire de Gilles Doré. Donc, d'après ce que moi je connais de lui, parce que j'ai pas bossé évidemment mon sujet avant de faire cette vidéo, donc on fait ça avec les peu de ressources que j'ai. Donc, Gilles Doré a fait tuer sa femme quand il est passé haut fonctionnaire de l'armée. Il l'a balancé dans un puits, selon une légende. Et depuis, voilà. Et depuis cet épisode, et bien, comment dire, un auteur s'en est pris. À lui pour créer le personnage de Barbe Bleue, si vous connaissez l'histoire. Donc voilà. Et Gilles Doré a fini ses vieux jours dans un donjon que je m'en vais vous conter.
Alors, au cours de ces batailles, il y a des enfants, enfin des centaines d'enfants qui disparaissent, surtout des jeunes garçons indigents et sans défense, ça veut dire petits et sans défense. Gilles est puissant. La loi du silence règne sur son comté. Au procès, parce qu'il s'est fait arrêter à Machecoul, sur ses propres terres, bravo Gilles. Il s'est fait arrêter et au procès, il confessera en pleurs les tortures qu'il aura fait subir et les sévices aussi qu'il aura infligés pour assouvir ses passions, ça veut dire le voilà, quick quick avec les petits enfants. Je vais pas dire ça parce que sinon je vais me faire démonétiser. Et les meurtres, grand nombre de 140 assassinats, mais il y en a qui peuvent en prouver plus, qui en est dans l'ordre des 400. Les cadavres sont brûlés, donc aucune preuve matérielle. L'acte d'accusation retient donc monsieur, enfin monseigneur plutôt, Gilles Doré, de plusieurs centaines de meurtres. C'est pas tout, on soupçonne encore plusieurs centaines. Ce n'est pas. Oui, excuse-moi, Gilles, ça donne à l'alchimie. Waouh, la chimie. Au Moyen Âge, c'était de la sorcellerie, donc qui était dans la merde. Il faisait aussi de la magie noire. Allez, en bon chrétien, on fait de la magie noire. Wouhou! C'est la fête. Et il faisait des pactes avec le diable pour obtenir de l'or et échapper à la ruine. Tu m'étonnes, quand tu fais des réductions sur tes terres, c'est sûr que tu peux payer. Tu peux demander au diable de te donner l'argent. Il va pas t'en donner. Ensuite, le motif de son arrestation est encore autre. En mai 1440, pour récupérer l'un de ses châteaux, vendu à vil prix, c'est-à-dire à mauvais prix, quoi, il enlève en pleine messe. Alors, le Gilles de Rais veut récupérer l'un de ses châteaux, il fracasse la porte de l'église, il embarque le prêtre qui avait les clés. Évidemment, il le zigouille après. Et il fait. Oui. Et après, il s'est fait arrêter par le di... Non, si, non. Attendez. Par le... Tac, tac, tac. Le... Et comparé ensuite à Bouffay. Oui, c'est le nom de la ville. Bouffay. C'est non pas le nom Bouffay, 2FER. Il est convoqué devant le tribunal si... Non, ecclésiastique pour ce crime. Et après, il comparait pour les meurtres des enfants devant le tribunal civil où sa sentence est prononcée. Il est pendu le 26 octobre au-dessus d'un brasier avec deux de ses valets, enfin valets complices même. Son cadavre est retiré des flammes et déposé au couvent de Carmes, où son tombeau sera détruit par les révolutionnaires 3 siècles et demi plus tard. Eh ben, donc. Alors, en conclusion, les amis, Gilles de Rais, c'était un brave guerrier, légendaire, paraît-il, mais c'était aussi un sacré pervers, hein, parce que de la balancer enfin, sa femme dans un puits après qu'il se soit octroyé maréchal de France, moi j'aurais pas fait ça, et après j'aurais pas violé 145 enfants. Donc, pour la conclusion, Gilles de Rais avait épouvanté les juges par l'aveu de sa cruauté inouïe. Pourtant, le monstre avait conservé une foi fervente dans l'église. Attention. Et son repentir, comme l'horreur de ses actes, firent tressaillir le peuple. C'est-à-dire que tout le monde était en mode PLS zéro, parce que là, tout ce qu'il a pu faire, c'était bon, ignoble. Même moi, je pourrais. Même nous, même les tueurs en série ou les violeurs, ils pourraient pas faire ça. Enfin, ils auraient du mal, du moins. Sa fille et sa femme érigeront des monuments expiatoires où l'on priera ardemment pour le salut de son âme. Oh, putain, bande de chrétiens. Bref, depuis sa personnalité complexe et fascinante a fait couler beaucoup d'encre, oui, ça c'est sûr, et passionné par les penseurs autant que les faiseurs de légendes. Mais l'histoire suffit. Le fidèle compagnon de Jeanne d'Arc est manifestement le plus grand tueur en série de tous les temps. Alors, ça c'est pas vrai, vous voyez, tous les dictateurs d'aujourd'hui, c'est pas forcément le plus pire. Donc voilà, sur ce, c'est sur ça qu'on se quitte sur l'épisode de Gilles de Rais. J'en referai un deuxième sur le prochain sujet. Parce que j'ai vu qu'il y avait encore un truc sur lui que j'ai pas le temps de vous détailler parce que sinon la vidéo serait 3 heures et à mon avis,
vous voudrez pas que je fasse une vidéo de 3 heures. Dans ce cas, ben, je vous envoie sur mes liens, sur les pages. Et comme je vous l'ai dit, je fais une vidéo FAQ, donc ce serait pas mal de me mettre des questions sur la page Insta ou sur la page Facebook. Donc voilà, bisous les amis, prenez soin de vous et ciao!